sinon, ce soir, je suis venu juste là pour vous saluer. Comme ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas échangé, Voilà. j'ai voulu vous donner de mes nouvelles. Vous voyez bien que y a des débats qui ont cours ici en ce moment. La loi sur la CEI. Bon, il y a beaucoup de sujets, donc. Justement, alors j'avais voulu savoir si l'honorable avait au moins peut-être 30 minutes, hein, puisque nous allons libérer notre invité dans 2 minutes, et puis peut-être vous poser au moins 2 ou 3 questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez encore le temps, honorable? Oui, je pourrais le faire en espérant qu'on ne va pas étendre les 30 minutes en 1 heure, parce Non, 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 que. 30 minutes, ça sera 30 minutes là, vraiment 30 minutes là. Alors, Donc, je suis là. ok, d'accord, voilà. Alors, merci beaucoup, honorable, voilà. Alors, docteur Bala Keïta, allez-y, hein, pour votre mot d'ordre. Ok, je voudrais d'abord remercier l'honorable Kakabé pour cette offre qu'il a faite. Je vais contacter Monsieur Jacques Roger. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Ça fait vraiment plaisir de voir que des élus de la nation sont prêts à aider des citoyens. Encore merci. Je remercie aussi tous vos invités. Merci pour toutes vos suggestions. J'ai pris note. Et le cadre du State Department sera vraiment en dernier. Ce sera vraiment une dernière priorité. Merci de m'avoir invité sur votre antenne, Monsieur Jacques Roger. Vraiment, je vous souhaite tous de passer une très bonne soirée. Merci pour vos messages de condoléances et de soutien. Vraiment, merci et passez une très bonne soirée. Voilà, merci beaucoup, docteur. Hein. Portez-vous bien. Hein. Voilà, au revoir. Bien des choses à la famille, à la madame et puis aux enfants. Merci. Oh. Ce qu'il pense être sa conviction sur un dossier précis. Dans le cas d'espèce, eh bien, le PDCIRDA, notre parti lui-même, avait fait des propositions pertinentes. Parce qu'au fond, de quoi s'agit-il? Ce n'est pas tant le nombre. Je veux dire, le nombre de sièges à la commission électorale indépendante qui pose problème, mais c'est surtout sa composition. Vous savez que notre constitution, la constitution de notre pays, là, consacre eh bien, l'égalité entre les citoyens. L'égalité entre les citoyens. Or là, vous avez une CEI composé de 17 membres, et sur les 17 membres, vous avez à peu près 13. 13 qui ne peuvent pas être indépendantes, enfin, qui ne peuvent pas être indépendants vis-à-vis d'un des candidats, le docteur Alassane Ouattara. Il a son représentant à lui, à la CEI, sachant bien qu'il est lui-même candidat. Il y a le représentant du ministre de l'Intérieur, donc le ministre Ahmed Bakayoko. Il y a le représentant du ministre de l'économie et des finances. Enfin bref, et quand vous faites la somme de tout ça, vous voyez bien que ces choses-là foutent d'abord au pied le principe de l'égalité tel que consacré par la Constitution, puisque les autres candidats n'ont pas de représentants à la CEI. Or, nous avons besoin d'une CEI qui soit impartiale, qui soit neutre, une CEI qui soit crédible et une CEI qui organise enfin des élections qui réconcilient les Ivoiriens. Tel que ces partis-là, ça nous donne l'impression d'être en face de l'une finale de la Coupe du Monde où l'équipe de Côte d'Ivoire est opposée au Brésil et on nous dit qu'on choisit un des joueurs brésiliens pour arbitrer le match. Je ne connais pas un seul Ivoirien qui accepterait cela. Bon, mais nous avons saisi le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui même, nous avons été déboutés. La loi sera donc promulguée. Bon, moi, j'aurais pris le peuple de Côte d'Ivoire à témoin. J'aurais dégagé ma responsabilité devant l'histoire, parce que tel que c'est parti là, je crains fort que cette CEI ne nous replonge dans l'abîme alors total. Ben, j'espère tout simplement ne pas avoir raison. Ne Alors, pas avoir raison, ça ne veut pas dire que j'en veux particulièrement à quelqu'un. J'aime mon pays et je n'ai pas envie qu'on reprenne toujours les mêmes causes, sachant bien qu'elles produisent les mêmes effets. Vous savez, c'est ça, là, malheureusement, l'Afrique. On ne reconnaît à la démocratie des vertus que lorsqu'on est dans l'opposition. Une fois qu'on est au pouvoir, on piétine ces vertus-là. Sinon, si on regarde dans le rétroviseur pour fouiller dans nos placards et sortir la proposition du RDR, le même RDR,
sur la CEI à l'époque, en 1995, face au candidat Henri Konan Bédié, alors président de la République. Si le PDCI, mon parti, avait écouté le RDR à cette époque, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Pourquoi diantre, une fois que le RDR accède au pouvoir, le RDR oublie ses belles propositions pertinentes qu'il avait faites à l'époque pour nous proposer ce qu'il nous propose aujourd'hui. Qu'à cela nous tienne, le vin est tiré, il va falloir le boire. Alors, ce qui veut dire, hein, du côté donc du parti au pouvoir, ils disent qu'ils ont écouté un peu le conseil donc de l'opposition, hein, puisqu'ils sont partis donc de 14, que l'opposition avait demandé 17. Alors, que répondez-vous par rapport à cela? Est-ce que vous avez déjà la position officielle, disons, hein, du FPI? Je suis témoin de cette histoire. Donc, moi-même conduis une première délégation de deux députés, le député Cramo et moi-même, devant le FPI et tous ses alliés. Nous connaissons, nous aussi, la position du FPI. Ensuite, le groupe parlementaire du PDCI-RDA nous a emboîté le pas. Nous connaissons donc les résultats. Et donc, je ne pense pas que ce soit ça, la position du FPI. Mais si c'est la position du FPI, c'est tant mieux. Ça veut dire que cette loi ne sera plus contestée. Et ça veut donc dire que les prochains jours vont être apaisés, calmes, et qu'on va aller dans l'allégresse vers des élections apaisées. Et j'ose croire que c'est le cas. À ce moment-là, c'est moi qui me serais trompé. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les mêmes causes produisant les mêmes effets, que vous craignez que cette situation nous replonge encore, hein, dans le vieux souvenir un peu du passé. Pourquoi vous dites cela? À quoi pensez-vous réellement? Mais la période que nous vivons a bel et bien une appellation de la période post-crise électorale. Alors, ça veut dire que c'est une crise qui est issue d'élections. Eh bien, il faut éviter que les élections de 2015 ne soient encore l'origine d'autres crises. Et je pense que la CEI est un élément important dans le processus. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Alors, vous avez parlé des élections, c'est tellement en 2015 et l'année prochaine déjà. Beaucoup de personnes, donc même les frères donc de l'opposition, pensent que les conditions ne sont pas réunies à l'heure actuelle, hein, avant d'aller aux élections. On parle donc de la liste électorale, hein, on parle donc des cas d'identité aujourd'hui où tout le monde, hein, peut avoir une carte d'identité. On n'a même plus besoin de savoir si vous êtes ivoirien ou pas. Est-ce que cela ne va pas un peu compromettre un peu, hein, le fichier électoral? Nous avons des élections dans ce pays déjà, alors même qu'il était coupé en deux, alors même que les gens avaient les armes, eh bien, nous avons pu organiser des élections. Ce sont des arguments auxquels je n'adhère pas personnellement, parce que sinon, écoutez, il faut que nous nous inscrivons résolument dans le respect de nos textes. La République de Côte d'Ivoire dispose d'une constitution qui consacre très bien le quinquennat. Et le quinquennat, c'est chaque 5 ans, nous devons aller à des élections. En 2015, nous devons avoir la présidentielle, et tout le monde le savait, en accédant au pouvoir, qu'il devrait en être ainsi. Alors, nous devons aller aux élections en 2015. Aller aux élections en 2015, du côté, la position donc de votre parti, hein, est une position un peu floue. Hein. Tantôt, vous êtes pour une candidature unique, tantôt, vous êtes pour le choix d'un candidat donc du PDCI-RDA. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Quelle est la position de votre parti? Malheureusement, je ne parle plus en son nom. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir dire ce que pense le PDCI-RDA. Mais un parti qui se respecte et qui veut revenir aux affaires, à un an des élections, je crois qu'il devait pouvoir clarifier son jeu. Il veut pouvoir clarifier son jeu. On ne peut pas faire de mystère autour d'un candidat et espérer que le peuple lui fasse confiance et vote pour lui. Un candidat d'un parti comme le PDCI ne peut pas opérer dans la clandestinité, quand même. C'est pas digne du PDCI-RDA qui a quand même libéré ce pays-là du jeu colonial, qu'il a même construit. Il doit pouvoir travailler, opérer au grand jour. Un parti qui assume, qui a une âme, un parti qui a sa personnalité, un parti qui doit aspirer à gouverner le pays et ramener la paix à la Côte d'Ivoire, parce que il a une responsabilité historique. Il ne peut pas se comporter comme il le fait, avec un discours flou qui navigue dans un clair-obscur. Les jeunes de 18 ans ne comprennent pas notre langage, qui ne peut pas décoder. Mais dans ces conditions, il ne faut pas être surpris que demain, au lieu de la 3e place, nous soyons relégués à la 4e place.
Mais heureusement que Oufoué en a fait un parti solide, qui est solidement implanté, qui a encore ses fondamentaux, et que le PDCI-RDA est encore, je dis, dans le cœur des générations. C'est pour ça que je suis confiant. Il suffit tout simplement que les choses soient mises en ordre et que les Ivoiriens sachent se souvenir de ce que aujourd'hui nous sommes dans une situation où le peuple entier aspire à la paix, à la concorde, à la stabilité. Et le seul parti qui peut leur offrir cela, c'est pas deux, c'est l'échiquier national, c'est le PDCI-RDA. Et je vous dis que nous aurons un candidat. Nous travaillons, nous, à ce qu'il en soit ainsi. Et je ne vois pas comment il peut en être autrement. Voilà, il aura un candidat, selon vous. Hein. On parle déjà de la candidature de M. Jean Conan Bani, qui, selon les journaux, avait déjà déclaré sa candidature déjà à Yamoussoukro. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Est-ce qu'il est toujours des militants du PDCI-RDA? Vous parlez de Jean Conan Bani. Jean Conan Bani a pris de l'âge, je ne pense pas qu'il soit... Alors, Charles encore... Conan Bani, voilà, Charles Conan Bani, voilà, vous avez raison, excusez-moi, Charles Conan Bani. Bon, malheureusement, je n'appartiens pas... c'est pas moi qui vois son agenda. Je n'ai pas connaissance qu'il a déclaré une candidature, donc je ne peux pas en dire plus. Mais pour l'instant, les candidatures du PDCI-RDA doivent s'exprimer dans un cadre qui est connu de tous les militants, c'est la convention. Et c'est cette convention-là qu'il faut appeler de tous nos voeux, qu'elle ait lieu le plus tôt possible, pour que nous puissions donc disposer d'un peu plus de temps hein, pour nous organiser. Alors, de l'autre côté, au niveau donc des propositions, on avait entendu hein, parler un peu donc de la modification de la Constitution afin donc de consacrer à la Côte d'Ivoire une vice-présidence. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est un projet qui est déjà mort-né? Et qu'est-ce qui était derrière ce projet d'ailleurs? Mais une Constitution ne se modifie pas comme ça au gré des intérêts de quelques individus. Non, je ne pense pas que... de toute façon, le RDN n'en veut pas. Alors, je ne vois pas comment cela peut être possible. On a parlé donc du désarmement donc des milices et puis certainement donc des dozos avant donc des élections. Hein. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce dossier est déjà sur la table? Est-ce qu'on peut espérer donc un désarmement cette fois-ci total avant d'aller aux élections? Faut pas lier ça aux élections. Il est clair que dans un pays qui se veut sérieux, un pays, civilisé, tout le monde ne peut pas disposer d'une arme. On ne peut pas se balader comme ça jusqu'à aller occuper illégalement et avec force les domiciles des gens. Ça doit prendre fin et ça n'a rien à voir avec des élections. Donc le désarmement devrait avoir eu lieu depuis longtemps, puisque il me semble que quand même les discours qu'on a entendus ici, c'est que aussitôt que Ouattara devient président, on dépose les armes. Ouattara est devenu président il y a quand même 3 ans, et donc ça devait quand même appartenir au passé. Donc ça ne peut plus être une condition liée à des élections. Le désarmement doit se faire sans préalable, sans discussion. Il faut aller au désarmement. Mais ça en est une chose, les élections en sont une autre. Alors, honorable, on a parlé aussi quand même du recensement au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, hein, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On peut parler d'échecs, puisque selon donc, la Banque mondiale, on parle donc de 20 à 25% des personnes qui ont été recensées, hein, avec un mot d'ordre simple du Front populaire ivoirien. Est-ce qu'aujourd'hui, hein, on peut dire que la majeure partie des Ivoiriens épousent les idéaux du Front populaire ivoirien? Ou bien c'est un peu hein, les Ivoiriens qui ne sont plus intéressés par la politique? J'observe que les Ivoiriens de plus en plus s'éloignent de la politique. Tout simplement parce que, au lieu que la politique améliore leur quotidien, la politique attire désormais la mort. On y vient pour trouver la mort, tout simplement. Et après le drame que nous avons connu, les Ivoiriens ne se bousculent plus aux portes des partis politiques. D'ailleurs, nos discours ne sont plus très audibles. Ils ne nous entendent plus. Et donc, ce n'est pas forcément, je veux dire, lié au FPI en tant que tel. Mais c'est une situation générale, c'est un constat sur le terrain. C'est que l'Ivoirien commence à être dégoûté par cette façon donc, de pratiquer la politique dans notre pays et qui n'apporte que du deuil, la désolation et puis la tristesse. Donc ça se comprend aisément, alors que le recensement en soi est une bonne chose. Il faut qu'on se connaisse,
Et je dis à tout moment, moi je dis, je ne suis pas partisan de boycott systématique. Il y a des boycotts systématiques. Je ne condamne pas la décision du FPI, qui est un parti souverain, qui prend ses décisions de façon souveraine. Mais je dis, le boycott par culture, par principe politique, vous savez bien, moi je suis PDCI ADA, la politique de la chaise vide ne paye pas. Faisons en sorte que les Ivoiriens puissent se compter, que nous sachions combien nous sommes, tous ceux qui vivent sur le sol de Côte d'Ivoire, pour que nous puissions planifier notre développement. C'est de cela qu'il s'agit. La liste électorale, c'est notre phase. Et nous nous battrons pour que nous ayons une liste électorale fiable, pour que définitivement la Côte d'Ivoire ressemble au Sénégal et au Ghana. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas non plus s'éterniser dans une sorte de fatalité et puis se complaire dans cela non plus. Donc, en tout cas, je pense que le gouvernement a annoncé, lui, 75% d'Ivoiriens déjà recensés. J'ose croire que c'est la vérité. Je crois que c'est la vérité. Vous avez tout à l'heure dit de dissocier un recensement général avec une liste électorale. Mais n'empêche que le commun des Ivoiriens craint que ce recensement a plutôt l'objectif donc de recenser les nouveaux Ivoiriens, hein, ceux qu'on a appelés les apatrides, puisque M. Ouattara au Nord avait dit de ne plus demander donc les origines donc des Ivoiriens. Donc certains Ivoiriens craignent que la liste électorale ne soit donc infecter donc de nouveaux Ivoiriens afin donc de permettre aux candidats donc de gagner des élections. C'est une crainte légitime. Ce sont des choses qu'il faut balayer du revers de la main. Il faut ouvrir les yeux sur ces grands problèmes là, parce que quand même c'est une des raisons de la guerre que nous avons connue. On ne peut quand même pas l'occulter. Les Ivoiriens ont le sentiment d'être je n'ose pas le dire à leur place, mais je dis. C'est pour cela que si on nous écoutait, je pense que si on recherche la réconciliation, des sujets de ce type-là, qui sont des sujets, de mon point de vue, qui fâchent, ne devraient pas faire l'objet des priorités en ce moment. Il faut plutôt rechercher l'équilibre social, la paix sociale, et une fois que la sérénité sera revenue entre les Ivoiriens et que nous aurons réussi la réconciliation, alors ces problèmes-là, on les aborderait, parce qu'au fond, il y a aussi le fait que vous avez quand même des citoyens qui vivent dans le pays depuis de longues années. Voici le cas de M. Bala Keïta, qui aspire à être américain. Mais nous sommes en face de ce genre de situation aussi en Côte d'Ivoire, qui ont besoin d'être régularisés, sans que ça ne se passe dans un climat de suspicion, pour que ce soit interprété ou bien comme un fonds de commerce politique. Ça aussi, il faut que ce soit clarifié. Mais pour ce faire, il faut donc que nous allions d'abord, qu'on cherche à créer des conditions de confiance mutuelle entre Ivoiriens pour que ces questions-là, nous puissions les aborder vraiment dans la sérénité. Dans la sérénité, c'est dans la même sérénité que votre parti, hein, j'allais dire un peu, hein, le RHDP, surtout M. Aoussou Jeannot, qui est donc membre du PDCI-LDA, a entamé donc les négociations avec le Front Populaire Ivoirien. Il y a eu donc des militants du Front Populaire Ivoirien à un moment qui devaient être libérés. Je ne sais pas si ces militants étaient libérés. On a parlé du budget donc des avoirs. Mais à la dernière minute, on avait demandé au Front Populaire Ivoirien de lever le mot d'ordre. Est-ce que cela a été fait, honorable? Mais ce jour, je n'ai pas connaissance que le mot d'ordre ait été levé. Donc on peut parler d'échec alors, des négociations. Ben écoutez, vous savez, quand il y a eu la rébellion armée, vous connaissez au moins le nombre de capitales que nous avons dû parcourir pour ne serait-ce que faire asseoir les deux protagonistes. Il y a eu Accra 1, Accra 2, Accra 3, il y a eu Lomé, il y a eu Burkina, enfin il y a eu Marcoussi, on a fini au Burkina. C'est pour ça que on disait toujours que le plus difficile, c'est pas de faire la guerre. Quand on a fait la guerre, maintenant il faut aller à la réconciliation. Donc faut pas s'arrêter au premier échec pour penser qu'il y a échec. Non. Il faut pas, c'est la richesse perpétuelle n'est-ce pas, de la paix. Mais il faut être persévérant, il faut y croire, il faut continuer, ne pas baisser les bras, et jusqu'à ce que, bon, la lucidité donc habite tout le monde et que, bon, on trouve des compromis au nom de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, les gens sont sortis de prison, c'est une bonne chose. Les débats, les négociations ont commencé, c'est une bonne chose, mais il faut poursuivre. Alors,
De l'autre côté, hein, tout est confirmé, il aura donc un procès de M. Laurent Gbagbo. Hein, du côté de M. Laurent Gbagbo, on dit, bon, ça sera donc l'occasion en or hein, pour que les Ivoiriens soient réellement situés par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. De l'autre côté, hein, du côté de votre camp, puisque vous êtes du RHDP, hein, aucun élément hein, n'a été donc arrêté. Est-ce qu'on peut parler d'injustice? Est-ce que vous êtes d'accord avec les partisans de M. Laurent Gbagbo qui disent, pour une fois, on saura réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Écoutez, je ne connais pas personnellement le fonctionnement de la CPI. Je ne vais pas non plus juger la CPI. Je veux tout simplement retenir que les Ivoiriens sont suspendus à cette décision. Et la CPI joue là sa crédibilité. Il est clair que dès lors que M. Gbagbo a été transféré à la CPI, c'était pour être jugé. Pour moi, ça ne fait que commencer. Les Ivoiriens veulent savoir ce qui s'est passé à cette époque. Comment en sommes-nous arrivés à ces milliers de morts? Qui a fait quoi? Qui a tué qui? Ce sont des choses que les Ivoiriens veulent savoir. Si ce procès-là peut donner lieu à l'éclatement de cette vérité pour que chacun soit soulagé intérieurement, alors ce serait une bonne chose. Alors, moi, je suis, on peut le dire peut-être naïvement, dans la mesure où la guerre se fait à deux, c'est aussi à deux qu'on va sous la palabre. C'est à deux qu'on se réconcilie. Donc pour moi, s'il doit y avoir vérité, c'est la vérité qui doit éclater entre deux protagonistes. Ça veut dire que forcément, M. Gbagbo sera opposé à quelqu'un, à la haie, pour que les Ivoiriens suivent ce procès-là avec beaucoup d'intérêt. Donc la CPI est libre dans ses délibérations, dans ses démarches. J'ose croire qu'elle dira la justice pour que la vérité soit pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. C'est tout notre espoir. Voilà. L'espoir, donc, de l'honorable Kwadio Konan Bertin. On a demandé 30 minutes, nous avons les 30 minutes. Hein. Honorable, est-ce que je peux prendre au moins trois questions en même temps et puis vous répondez, puis votre mot de fin, ou bien on reporte pour une autre fois, hein, une autre émission? Ben, il y a des gens, on peut y aller. Voilà, d'accord. Alors, puisque le micro de Mme Nguyen est ouvert, on va aller rapidement. Mme Nguyen, pas trop de commentaires, une question rapide. Hein. Allez-y, Mme Nguyen. Alors, Mme Nguyen, est-ce que vous entendez hein? Bon, voilà. Alors, Laurent, comment on appelle allô, ça allô? Oui, Mme Nguyen. Oui, allez-y, madame. Allô? Allez-y. Oui. Non, je n'ai pas de question, c'est pour les saluer. D'accord. Et dire que depuis le dernier congrès, nous nous sommes, lui et moi, retrouvés du même côté de la balissade. Donc, on doit se soutenir mutuellement en attendant des jours meilleurs au PDCI. D'accord. C'est tout ce que je peux dire à mon frère Kakabé. Merci. Bonne soirée. Alors, on va merci, merci, Mme Nguyen. Je n'oublierai pas de sitôt cet accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Et puis, je peux le dire hein, sur l'antenne, vos antennes, ce repas copieux que vous avez servi lors de mon séjour chez vous aux États-Unis. D'ailleurs, je rêve de revenir encore une fois et puis, pourquoi pas bénéficier encore de cette même chaleur. En tout cas, je vous salue également en passant. Voilà. Alors, on va aller du côté donc, du pasteur Ouraga. Pasteur Ouraga, allez-y rapidement. Hein. Ok, merci, mon frère Jacques Roger. Bonsoir, l'honorable Kakabé. Bonsoir. Je suis ravi de vous attendre aujourd'hui à écouter ce que vous venez de dire par rapport à la direction future, c'est-à-dire à 2015. Alors, moi, j'ai un peu peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai vu dans vos interviews et tout ça, dans vos débats, vous êtes souvent bien habillés, tout le temps bien habillés, dans les ensembles très bien jolis et confortables. Alors, si ces vestes que vous portez hein, sont déchirées, alors, dans les prochaines interviews, vous pouvez encore porter ça pour aller là-bas? C'est la question que je vous pose. Alors, je ne vois pas le fond de la question. Hein. Je ne vois pas où vous voulez en venir, hein, pasteur. Bon, je peux, bon. Voilà. Donc, attends, comme le fond est trop compliqué, je vais expliquer directement. Voilà. Parce que si ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire en 2010, et jusqu'à aujourd'hui, ce que nous voyons, et que les gens n'ont pas désarmé en 2010, et ça nous a amené là où ça nous a amené, avec plusieurs morts en Côte d'Ivoire, nos frères qui sont en exil, d'autres sont en prison. Alors, ça n'a pas été réglé, c'est-à-dire le tissu est déchiré totalement, la Côte d'Ivoire est déchirée.
Et vous nous parlez des élections et d'oublier les hommes qui circulent dans les campements, dans les villes. Alors, vous représentez la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, vous représentez la population, le peuple. Alors, mais à vous d'attendre, si les armes circulent et que vous partez encore aux élections, qu'est-ce qui va arriver encore plus? D'accord. Alors, moi, j'ai peur, parce que l'expérience que ça nous a donnée dans les précédents, je crois que ça va nous donner une leçon et à pousser jusqu'au désarmement avant d'aller aux élections. D'accord. Voilà ce que je voulais vraiment souligner. Alors, merci beaucoup. Alors, ça, c'est mon point. Je vous dis la chose suivante. Si on considère que tout ce que vous venez de décrire n'a été que la responsabilité que de M. Laurent Gbagbo, parce que il y a une opinion qui nous dit que tout ce qu'on a vécu à l'époque, c'était le fait de M. Laurent Gbagbo. Bon, moi je veux croire naïvement que dès lors que M. Laurent Gbagbo n'est plus en Côte d'Ivoire et qu'il est à la haie, il ne peut plus se faire que quelqu'un déchire la chemise d'un autre pour ses opinions. Il ne peut plus se faire que quelqu'un empêche qu'un autre tienne un meeting dans une seule localité de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je suis serein de ce point de vue-là. Et puis croyez-moi, la présence de M. Laurent Gbagbo aussi à la haie doit nous interpeller tous. Parce que je ne pense pas que ce soit uniquement parce que c'est Gbagbo qui part à la haie. Le message est clair que désormais, quiconque en Afrique devrait s'hasarder à se comporter comme on prétend, on le dit là, se retrouvera lui aussi à la haie. Chacun est mis en garde. La Côte d'Ivoire ne peut plus continuer dans ce sens où on va être régulièrement abonné à des agressions physiques pour les opinions des uns et des autres. Monsieur, je vous le dis, ce temps-là est révolu. Je ne refuse de penser que ces élections-là vont donner encore lieu à des agressions et des interdictions de parler ou des meetings sur une quelconque parcelle du territoire. C'est pourquoi moi je dis, honnêtement, je ne m'embarrasse pas de peur inutile. Pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je n'ai aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Je n'adhère pas à cela. Ne vous effrayez pas vous-même. Ne vous effrayez pas vous-même. Ayez confiance en vous. Ne perdez pas confiance en notre pays. La Côte d'Ivoire va s'en sortir. J'en suis persuadé. Donc, de mon point de vue, nous devons respecter d'autres constitutions. Elles consacrent le quinquennat. Eh bien, 2015, nous devons aller à des élections présidentielles. Il faut que vous vous prépariez à cela. Et puis, faut pas prendre pour prétexte le fait que, on dit qu'on n'a pas baissé les armes. Et si on ne baisse pas les armes d'ici 10 ans? Et si on ne baisse pas les armes d'ici 20 ans? Vous savez que d'ici 20 ans, il n'y a plus d'élections en Côte d'Ivoire. Mais non, je suis désolé. La Côte d'Ivoire doit redevenir un état de droit. Moi, je reste confiant en nos capacités, à nous ressaisir. Et en 2015, on va le démontrer à la face du monde. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, honorable, malheureusement, voilà, les bonnes choses ont une fin. Alors, honorable, allez-y pour votre mot de fin. Ben Jacques Roger, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve. J'ai toujours dit à la fin de toutes mes interventions ici que j'invite toujours les Ivoiriens à ne pas perdre confiance en eux. Où qu'on se trouve, quel que soit le temps qu'on mettra à l'extérieur, nous resterons Ivoiriens, la Côte d'Ivoire restera notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, on vit dans des conditions confortables. Dans le pays des autres, mais ces autres ont fait preuve de génie pour bâtir leur pays. Nous devons, nous, faire preuve du même génie pour bâtir la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire dont a rêvé Félix Houphouët-Boigny, qui a pris de son temps pour bâtir une Côte d'Ivoire comme on la connaît, en nous mettant tous à l'école pour qu'on ait le savoir. Je pense que la Côte d'Ivoire regorge tellement de talents, de compétences, d'intelligence, et son génie propre peut lui permettre de rebondir. Ce pays-là doit rebondir. C'est ma conviction. Je vais la partager à tous les Ivoiriens et je voudrais justement qu'on se fasse confiance. Allons-y à la réconciliation. Allons-y à la réconciliation parce que c'est indispensable. C'est même un préalable. Le vrai problème que nous avons ici, c'est de nous battre contre le sous-développement. Le vrai problème que nous avons, c'est le chômage des jeunes.
il faut qu'on les mette au travail. Je vous ai dit, je vous le répète, ils sont comme ça des milliers de jeunes Ivoiriens qui déjà qui ont atteint, dépassé les 40 ans sans avoir jamais goûté au bonheur d'un premier emploi. C'est pour eux qu'on prétend faire la politique, s'il vous plaît. Il me semble que c'est là le vrai défi. Alors, allons-y au-delà des faux débats de désarmement, des faux débats de ceci. Non, il faut que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire, le pays phare de la sous-région qui donne envie, qui est envié et qui est stable et qui se met au travail. Remettons les Ivoiriens au travail pour que la Côte d'Ivoire redémarre. Moi, je ne perds pas espoir en ce pays-là et c'est ce que je veux que chacun retienne. Je vous remercie. Voilà, encore une fois, merci beaucoup, honorable Kwadio Konan-Bertin. Hein, voilà, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Merci. Voilà. Au revoir.